Est-ce que je vous dis, bonsoir d'abord, mais est-ce que je vous dis par quoi j'ai commencé ce stream pour que tout le monde soit bien d'accord, comme j'aime à dire? Oui, j'ai commencé par un fail donc, puisque j'ai parlé pendant quasiment 2 minutes avec le micro coupé. Et c'est probablement très très drôle. Donc, Jean-Michel Bruitage, regarde à toi la régie, je te surveille. Arrête de toucher les boutons et de faire de la merde. Donc, on se retrouve pour un nouveau shmup à rajouter dans les dossiers de The Big Game of Ski, cette chaîne sur laquelle vous vous êtes abonné spontanément, contraint et forcé, et que vous avez liké tout plein de fois. Contraint et forcé, toujours, j'envoie les chèques normalement tous les 3 mois. Hein. Et donc, sur la série des ESP, on avait fait Esp Garuda, on avait fait Esp Raid, et là, on va se faire Esp Garuda 2. Le tout dernier en date, qui date de 2003. Ça va être marqué de toute façon. Donc on a du carrément récent. Je ne m'étalerai pas sur le gameplay. C'est un manic shooter. Donc je réitère pour les gens qui débarquent. Ça veut dire qu'ici, en fait, on va avoir quand même un remplissage d'écran en boulette qui va friser l'indécence. En contrepartie, on aura le privilège d'avoir ces moments magnifiques où on se faufile avec succès dans des patterns tout juste improbables. Mais tenez-vous bien, tenez-vous mieux. Salut à toi Pierre. Eh bien, il se trouve qu'il y a un autre moyen de scorer comme un porc, c'est de défoncer les bons adversaires au bon moment, de manière à changer la couleur des boulettes et de pouvoir les cancel. Et si la manip se déroule très très bien, eh ben vous aurez le privilège de transformer tout ça en or sonnant et trébuchant qui va faire exploser votre compteur de score. J'ai résumé très maladroitement le principe du jeu. Si ça vous intéresse, ça vaut le coup de jeter un oeil. Allez chez les copains de shmup.com. Vous avez une fiche détaillée normalement du jeu qui prendra la peine, elle, de vous expliquer à votre rythme pour que ce soit tout à fait compréhensible et intelligible. C'est vrai que cette série de shoot à un gameplay qui, quand on l'aborde, on se dit oui, bah, c'est juste un concours à la boulette qui remplit l'écran, quoi. Et en fait, non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Derrière, il y a tout un principe de jeu qui, sur cette version-là, bah, je pense, va être compliqué pour moi, vu que je ne me rappelle plus du tout, quoi. Donc, je vais faire un peu comme le gars qui découvre. Je vous l'ai bien vendu, on y va. Hop. Hop, hop. J'espère que le son du jeu passe correct. Ouais. Tout est correct. Mon, où ton porte-monnaie? C'est vrai que c'est mal de taper dans le porte-monnaie de sa maman sans demander. Non, mais je précise parce qu'il y a des gens qui se croient un peu tout permis maintenant. Alors j'ai le choix entre eux, ou bien, ou encore. Moi, je voulais juste voir la largeur du tir. C'est-à-dire que c'est lui qui, ou elle, je ne sais pas, ses androgynes, ça me perturbe. Tu choisis ton contrôle, donc soit, ou bien. Mon japonais n'a pas évolué hein, depuis le tout premier stream, donc je vais prendre soi. En espérant que c'est le bon soi. Alors, bouton principal, tu appuies, tu gardes appuyé, hop, tu concentres ton tir, rien d'original. Normalement, logiquement, on doit se déplacer un poil plus rapidement. Ma hitbox, ça doit être le petit diamant au milieu. J'ai un bouclier sur un autre bouton. Le bouclier d'ailleurs sera essentiel pour faire des cancels. Ça, je le dis d'avance, pour essayer de piger un peu le principe du jeu. Et je dois avoir un tir alternatif aussi sur un autre bouton. Et je pense qu'on a fait le tour, hein, les gars. En fait, il y a deux types de gemmes à récolter. C'est ça qui rend le titre un petit poil délicat. C'est que du coup, pendant la baston, je vous garantis que vous n'aurez pas trop le temps de scruter vos jauges.
Et du coup, ça se déclenchera quand ça voudra bien, les super tirs, très souvent. Il faut dire ce qui est. Et ça, c'est. Tout le monde passe par là. La première fois qu'on aborde ce jeu, c'est ouais, il y a des trucs géniaux qui se passent, mais on n'a pas tout compris, en fait, hein, si on est vraiment honnête avec tout le monde. Bon, allez, feu. Ça nous aidera pas à comprendre plus loin, de toute manière. Mieux vaut me voir cracher. Me cracher, c'est plutôt rigolo. Toujours le même genre d'intro. Et c'est parti, alors j'ai quoi là? Ça c'est. Ok, ça c'est mon bouclier. Ok. Et donc je dois avoir un autre tir quelque part. Attends 2 secondes. Nettoie-moi cet écran. Vous voyez déjà, j'arrive pas à. Ah, oui, d'accord, ok, c'est le super tir. Donc je cancel avec ça. Logiquement, on va faire j'essaye de toute façon. Qui n'essaye pas ne peut pas savoir. Alors, il y a un petit bug peut-être sur le son, je suis pas certain. Parce que moi je l'entends très 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 faible, donc ça ne me dérange pas. Je m'en excuse, hein, c'est émulation toujours, donc on fait ce qu'on peut avec son art. Je voudrais bien avoir la borne hein, si quelqu'un veut me la donner, mais merde, j'ai oublié de garder appuyé. Donc dans ce mode-là, je ralentis les boulettes en plus. C'est un peu vif ça, monsieur. Oula! Eh! Non, non, je suis pas d'accord. Il y a de l'alu. Ah, faut y aller assez méthodiquement hein, sur le nettoyage d'écran parce que ça s'encombre à une vitesse qui est assez affolante. J'aurais mieux fait de passer une bombe. Oui, je parle pas trop. Ah voilà, fallait pas me faire parler, hein, je vous avais dit. C'est dommage, on était presque à la fin. Dommage, dommage. Donc vous voyez, jeu quand même bien, bien couillu, on va dire. Le mot n'est pas exagéré. Parce que la quantité de boulettes qu'on vous malaxe et qu'on vous crache au visage. Oui, vous n'allez pas gueuler que il en manquait un petit peu dans le sachet. Hein. Là, au contraire, on aurait plutôt tendance à dire, tiens, il pleut aujourd'hui, je ne suis pas sorti avec mon parapluie. Ne va-t-il pas m'arriver des misères? Cancel-toi, bordel de. Alors, les gens qui savent jouer, en général, prennent un malin plaisir à se placer les bonnes pièces, comme quand on choisit sur le bœuf ou le morceau de barbac qu'on va bouffer, et se placer là où ils ont envie. Pour optimiser à donf le score, quoi. Chose que vous ne verrez pas dans ce stream. Oh mon dieu, je me suis spoilé. Tranquille. Jamais s'exciter, jamais se laisser aller à la panique, c'est purement inutile. Je suis la zénitude incarnée. Alors, il y en a quelques-uns qui doivent halluciner de me voir tout zen. Mais ils savent que j'ai tendance à m'emballer dans les jeux vidéo, notamment dans les multi. Ah là 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 là, non, 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 mauvais endroit, monsieur, mauvais endroit, mauvais endroit. Rentre chez toi. Ça ne pouvait pas se passer bien. Ce n'était pas prévu pour. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour rendre des patterns lisibles, bordel de. Bordel de bonnet de nuit. J'ai bon là. Je l'ai pris dans la tête direct.
On va s'arrêter au prochain Game Over, les amis. Je passe ce boss et bye bye tout le monde. Parce que je voudrais pas vous spoiler la suite. Le côté découverte, c'est toujours très amusant dans ces jeux. Je ne parle plus là. C'est fini. Pardon, je suis en train de m'étouffer en plus. Ah, j'aurais dû le ralentir. Oh, le cochon. Le cochon. Non, ça passait pas, ça, madame. Eh ben, celui-là, il est bienvenu comme cancel, parce que là, voilà. Voilà. Et tout de suite, le drame. Ah putain, du coup, il me met des accélérés vu que j'ai passé ma jauge en entier. Et oui, il faut savoir qu'il y a un contre-coup à votre tir qui vous ralentit les boulettes à l'écran. C'est qu'à l'inverse, bah, après, l'ennemi, lui, aura droit de balancer des boulettes accélérées. Et du coup, c'est moins la fête. Surtout quand on est dans ces genres de patterns-là. Allez, un petit game over. On se fait un adieu dans les règles de l'art, même si ce jeu ne donne pas vraiment envie de le quitter. Parce que, bordel, regardez-moi ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ces genres de trucs, quoi. C'est magnifique. La magie des mathématiques. Merde. Alors, le truc qui est dommage, et c'est ça qui est bien, c'est pour ça que je vous recommande de jouer avec des potes. Merde, j'aurais dû mettre ma bombe. C'est les graphismes, quoi. Moi, je dois avouer que j'ai pas le temps de les regarder, en fait, pour être totalement honnête. On est tellement, on joue, on est tellement focus sur les nuées de boulettes, que très franchement, derrière, ils auraient pu mettre, je sais pas, des vieux scans pourris, des troncs pris en photo dans la rue. Je m'en serais pas rendu compte des fois. Et c'est la vérité vraie. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'y jouer avec des potes à la maison. Parce que du coup, bah, ça repose déjà de filer la manette au voisin. Faut dire ce qui est. Et puis, en étant spectateur, vous pouvez mieux apprécier le boulot qui a été fourni quand même sur ce travail de bitmap qui est plein d'amour, quoi. Voilà, Espe Galuda 2, c'est du tout bon, c'est du must-have, c'est de la crème, c'est magnifique. Il faudrait que toute la vie soit faite de shmup comme ça tous les ans. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour un prochain stream qui ne parlera pas de crème chantilly, je pense. Ciao!